Aujourd'hui, on va parler d'un random qui essaie de faire croire que mes admins insultent des gens. Ce qui va suivre est l'extrait de sa vidéo où on voit deux admins insulter et soi-disant c'est eux. Espèce de fils de pute, ça t'amuse à troll, hein? Hein, fils de pute, Afrikill, la con de ta mère que je te branle que si je te vois IRL, je te prends, je te casse les deux jambes. En deux, je t'envoie chez les flics pour ensuite te faire violer dans une matraque dans le cul. Maintenant, la vraie voix des admins en question. Il aurait pu mettre une autre voix quand même, je suis vexé moi par contre. Moi je connais ta voix et je sais qu'il pourrait pas mettre un... Comment s'appelle la soundboard comme ça, tu vois. Mais en plus c'est même pas la voix d'un de nos admins. J'ai jamais entendu cette voix. Non mais voilà, c'est juste du bricolage, je vais arrêter. Méfiez-vous des manipulateurs et menteurs sur YouTube. Ciao. J'accélère, rapproche-toi du temps. Je vais vous expliquer les gars que apparemment il aurait pas encore compris ce qui s'est passé. Moi j'ai fait mon rec sur le serveur GTA de Koopa. Ensuite on est allé sur le TS. On a parlé avec le responsable machin. Mec, le responsable staff là. Parce que moi je trouve que la voix ressemble, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve que la voix ressemble. Après si il prétend que c'est pas lui, bah c'est tout simplement qu'il a mis une soundboard en fait des insultes. C'est un peu comme la vidéo Team French avec Sion. Rappelez ou pas? Quand Sion il a mis une soundboard de mec qui insulte, on s'est rendu compte au bout de 2 mois que c'était pas lui en fait qui insultait. Ça n'enlève à rien le fait qu'un responsable, tu vois, a insulté. Donc non, la vidéo c'est pas du bricolage, je vais vous montrer le rush tel quel. Tout le monde était sur le TS à ce moment. D'accord, très bien. Non mais je suis vraiment genre ouais, je suis réel. Bah écoute, t'es franc, mais moi aussi je suis franc. User in your channel was banned from the... Depuis ta gueule que si je te voyais, je te promets, je te plante ta grand-mère. Espèce de fils de pute, ça t'amuse à troll, hein? Hein, fils de pute, Afrikill, la con de ta mère que je te branle que si je te voyais IRL, je te prends, je te casse les deux jambes. En deux, je t'envoie chez les flics pour ensuite te faire violer dans une matraque dans le cul. What the fuck? Moi j'ai rien fait moi non plus. Ah les gars, si vous êtes venus vous faire n'importe quoi, moi j'ai rien fait. Il me banne. Le mec il banne perme pour... Mec ils m'ont banne perme pour insultes et comportements immatures alors que mec j'ai rien fait genre. Le mec je l'ai même pas insulté genre. Ce que je trouve bizarre c'est que si Koopa a besoin de répondre en fait à des accusations. Déjà c'est même pas des accusations envers lui. Mais si déjà il prend la peine d'y répondre. En fait ça veut tout dire les gars. Une personne qui se défend comme ça, ça veut juste dire qu'il est en tort. Sauf que je vais répondre si genre il y a des petits kékés là qui continuent à venir dans le chat et à faire ah Team Koopa, Team Koopa. En fait son seul argument c'était quoi? Misez-moi au début. C'était d'aller sur TS. C'est de dire au mec de parler. Genre à ce niveau là gros, c'est pas un argument ça, je suis désolé. Il a soundboard, mais ça n'excuse pas les insultes. L'idiot du village se bélirote. Donc voilà l'idiot du village qui au final a raison. Oh putain. Et là ce qu'il a fait c'est qu'il s'est juste connecté sur son TS. Il est allé voir le mec, il lui a dit: écoute mec, est-ce que t'as fait ça ou pas? Et là le mec il a dit: bah non j'ai pas fait ça. Genre c'est facile, vous voyez ce que je veux dire. Moi j'ai rien contre Koopa les gars. En fait ce qui m'énerve surtout c'est que là il met la vidéo en mon rep. Est-ce que vous étiez au courant qu'il y avait cette vidéo? C'est pas crédible à 0.35 de la vidéo de Koopa. Non mais c'est une autre voix quand même. Mais oui mais c'est la même voix. Mais en fait c'est ça que je comprends pas, c'est qu'ils font genre que c'est pas la même voix. On va dire que c'est une soundboard, tu vois, on va leur donner l'avantage de la soundboard. Mais clairement la voix d'Anthony correspond avec la soundboard, hein. Anthony là dans la vidéo concrètement on l'entend dire 3 mots, hein. C'est facile de faire une voix un peu plus comme ça, tu vois, pour 3 mots. Si tu dis qu'il n'y a pas de RP. Hop hop hop. Pour vous recontextualiser la chose, les personnes concernées par la vidéo ont décidé de venir en vocal pour s'expliquer. Moi personne. Okay. Alors je vais repartir du début. J'ai rejoint le GTRP. J'étais dans l'ambition de foutre un peu le bordel. Ça c'est comme dans toutes les vidéos, genre ça je me le cache pas. La raison pour laquelle j'ai dit que c'était no RP, je rejoins le serve, je sors de la gare, je me prends un scooter. Il y a eu des accumulations genre H24 gros, il y a des gens qui écrasaient des autres. C'était n'importe quoi mec. Genre ouais, honnêtement j'étais jamais sur un serveur GTRP où c'était autant le bordel genre. Chacun son propre avis et bah, si tu dis que... Ouais bien sûr. Moi personnellement jamais revendiqué que la CTG on était du ultra sérieux, même du sérieux tout court en fait. Que je suis venu dans le challenge 10 secondes. J'ai pas parlé, pas mis de soundboard rien du tout. Que tu me dises là maintenant que t'as pas mis de soundboard, ok, mais dans le rec on voit bien ton micro qui s'active et on voit... Ouais mais dans le rec tu zoomes en gros sur moi donc on voit que moi. Tu verras que sur le rec original... Il y a ton micro qui s'active et la soundboard. Depuis ta gueule que si je te voyais, je te promets, je te plante ta grand-mère. Mais peut-être que mon micro ça s'active parce que tu sais, je suis un être humain, je respire des fois. Que je te brûle que si je te vois IRL, je te prends, je te casse les deux jambes. À aucun moment j'ai mis les soundboards. Hein. Moi je vais te le justifier à partir du règle. Quand toi là, à partir de maintenant, tu peux me dire, mec, j'ai pas mis de soundboard.
Ah, le truc sur Anthony, je suis désolé, mais Anthony a pas une voix comme ça, Redjud a pas une voix comme ça. Honnêtement, ta voix elle ressemble à ce qui est censé être. Moi, l'histoire, je connaissais pas, je suis juste venu 10 secondes dans le channel pour parler à Redjud. Moi, ce qui s'est passé sur GTA, je sais pas, pas eu de soundboard, et j'ai pas parlé. Sa communauté, il a une image à ternir et à garder. Si des gérants font ça, ça veut dire que sa communauté c'est de la merde. C'est random. Ouais, parce que apparemment, je suis quand même un random quoi. Je suis un random, mais on me donne de l'importance, donc je suis un random semi-random. La CDJ, Villarose, la Ligue des Trollers vous ont bien soulevé. Enfoiré, enfoiré, t'es qu'un sale enfoiré.